Bonjour, bonjour, chers amis. Dobar dan, dragi prijatelji. Pred vama je treći i posljednji deo primjera rečenica za nivo A2 u kojem smo obradili vokabular koji je potrebno poznavati na ovom nivou. Tema su interakcije sa drugima. Krećemo. C'est parti! Na prvom slajdu bavit ćemo se svakodnevnim ličnim stvarima. Les objets personnels quotidiens. Flaša vode je prazna. La bouteille d'eau est vide. La bouteille d'eau est vide. Muž mi je poklonio buket cveća. Mon mari m'a offert un bouquet de fleurs. Mon mari m'a offert un bouquet de fleurs. Kupio sam sat, misli se na ovaj ručni sat. J'ai acheté une montre. J'ai acheté une montre. Na ovom slajdu bavimo se tradicijom, odnosno običajima. Sveti Valentin je 14. februara. Treba nekome da kažemo kada je dan zaljubljenih, odnosno Sveti Valentin, to ćemo reći ovako. La Saint-Valentin est le 14 février. La Saint-Valentin est le 14 février. 14. jul je u Francuskoj nacionalni praznik. To kažemo ovako. Le 14 juillet en France, c'est le jour de la fête nationale. Le 14 juillet en France, c'est le jour de la fête nationale. Sirup od javora je kanadski specialitet. Le sirop d'érable est une spécialité canadienne. Le sirop d'érable est une spécialité canadienne. Što se tiče sveta rada, odnosno profesionalnog života na nivou A2, mogli bismo da iskoristimo i ove rečenice. Sastanak je u podne. La réunion est à midi. La réunion est à midi. Direktorka šalje poštu, odnosno mailove zaposlenima. La directrice envoie des courriels à ses employés. La directrice envoie des courriels à ses employés. Sve kolege su u sali za konferencije. Tous les collègues sont dans la salle de conférence. Tous les collègues sont dans la salle de conférence. Idem na razgovor u ponedeljak, je passe un entretien lundi. Je passe un entretien lundi. Što se tiče porodice i društvenih odnosa, na ovom nivou bismo mogli da iskoristimo i ovakve rečenice. Redovno izlazim sa svojim prijateljicama. Je sors régulièrement avec mes amis. Je sors régulièrement avec mes amis. Cela porodica je bila prisutna. Toute la famille était présente. Toute la famille était présente. Moje kolege su simpatične. Mes collègues sont sympathiques. Mes collègues sont sympathiques. Ili skraćeno sympa. Kada govorimo o osobama, o njihovom fizičkom izgledu, karakteru, ličnosti, mogli bismo da to kažemo i na ovaj način. Toma je visok i dosta mišićav. Toma je grand et assez musclé. Toma je grand et assez musclé. Žana je pažljiva i sluša. Žana je attentive et écoute bien. Jeanne est attentive et écoute bien. Moji učenici su veoma ljubazni i učtivi. Mes élèves sont très aimables et polis. Mes élèves sont très aimables et polis. Kada govorimo o emocijama i osjećanjima, to ćemo učiniti i na ovaj način. Veoma mi se sviđa ova nova pesma. J'aime bien cette nouvelle chanson. J'aime bien cette nouvelle chanson. On je veoma zadovoljan svojim poslom. Il est très content de son travail. Il est très content de son travail. Ona je tužna zato što su njeni prijatelji otišli.
Elle est triste parce que ses amis sont partis. Elle est triste parce que ses amis sont partis. U ovim rečenicama govorit ćemo o zdravlju. La santé. Boli me glava, imam temperaturu, imam glavobolju, j'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre. J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre. Kupujem lekove u apoteci. J'achète mes médicaments à la pharmacie. J'achète mes médicaments à la pharmacie. Imam pregled kod zubara sljedeće nedelje. J'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. J'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine. Evo i svakodnevnih aktivnosti. Les activités quotidiennes. Spremam večeru svako veče. Je prépare le dîner tous les soirs. Je prépare le dîner tous les soirs. Idem u kupovinu u nabavku posle posla. Je fais mes courses après le travail. Je fais mes courses après le travail. Treniram četvrtko. Je fais du sport le jeudi. Je fais du sport le jeudi. Ovdje obratite pažnju na određeni član L. Svi dani su muškog roda. I ovo L ispred imena dana znači da se radnja ponavlja četvrtkom. Šetam psa svakog jutra pre nego što odem na posao. Je promène mon chien tous les matins avant d'aller au travail. Je promène mon chien tous les matins avant d'aller au travail. Kada govorimo o slobodnom vremenu, odnosno o sportovima, to možemo učiniti i ovako. 28. rečenica. Idem na časove kuvanja subotom. Je prends des cours de cuisine tous les samedis. Je prends des cours de cuisine tous les samedis. Vincent se upisao u nautički klub. Vincent est inscrit à un club nautique. Vincent est inscrit à un club nautique. Posle škole deca se igraju u vrtu, u bašti. Après l'école, les enfants jouent dans le jardin. Après l'école, les enfants jouent dans le jardin. Na ovom slajdu vidjet ćemo reči koje su vezane, odnosno rečenice vezane za prevozna sredstva. Les moyens de transport. Idem TGV-om u Švajcarsku. Je prends le TGV pour aller en Suisse. Je prends le TGV pour aller en Suisse. Imate 10 minuta da uhvatite vezu i promenite peron. Vous avez 10 minutes pour prendre la correspondance et pour changer de quai. Vous avez 10 minutes pour prendre la correspondance et pour changer de quai. Kada govorimo o odmoru, odnosno putovanjima, od koristi nam mogu biti sljedeće rečenice. Vikendom idemo često u planinsku kuću naših prijatelja. Le weekend nous allons souvent au chalet de nos amis. Le weekend nous allons souvent au chalet de nos amis. Le chalet, to je tip planinske kuće onakve kakve su na Alpima. Kombinacija drveta i kamena. Nisam išao na odmor prošlog leta, je n'ai pas pris de vacances l'été dernier. Je n'ai pas pris de vacances l'été dernier. Moja dva nećaka ostaju kod nas za praznike. Mes deux neveux restent chez nous pour les fêtes. Mes deux neveux restent chez nous pour les fêtes. Evo i primjera rečenice koje smo upotrebili govoreći o le logement, ameublement, équipement, opremanje stanova, namještaje i sl. Stan mog sina je namešten. L'appartement de mon fils est meublé. L'appartement de mon fils est meublé. Kupili smo crveni tepih. Nous avons acheté un tapis rouge. Nous avons acheté un tapis rouge. Soba gleda ka vrtu, ka bašti. La chambre donne sur le jardin.
La chambre donne sur le jardin. Sada ćemo govoriti o ishrani i o kuvanju. Više volim supu od paradajza nego supu od crnog luka. Je préfère la soupe de tomate à la soupe à l'oignon. Je préfère la soupe de tomate à la soupe à l'oignon. Večeras ćemo jesti palačinke. Ce soir, nous mangeons des crêpes. Ce soir, nous mangeons des crêpes. Brigitte sprema jedan tradicionalni kvebeški recept. Brigitte prépare une recette traditionnelle québécoise. Brigitte prépare une recette traditionnelle québécoise. Evo je rečenica gdje govorimo o odeći, odnosno aksesuaru na nivou A2. Ogrlica je iste boje kao i marama, šal. Le collier est de la même couleur que le foulard. Le collier est de la même couleur que le foulard. Molim da nosim tekst sa suknje. J'aime porter des jupes en jean. J'aime porter des jupes en jean. On često nosi belu majicu sa crnim sakom. Il porte souvent un t-shirt blanc avec une veste noire. Il porte souvent un t-shirt blanc avec une veste noire. Kada govorimo o medijima i vestima, to činimo na ovaj način. Pročitao sam odličan članak u novinama. J'ai lu un excellent article dans le journal. J'ai lu un excellent article dans le journal. Reportaža o olimpijskim igrama je zanimljiva. Le reportage sur les Jeux Olympiques est intéressant. Le reportage sur les Jeux Olympiques est intéressant. Policija je uhapsila lopova. La police a arrêté le voleur. La police a arrêté le voleur. Evo rečenica u kojima govorimo o vremenskoj prognozi. La météo. Nebo je oblačno i najavljuju kišu. Le ciel est couvert et ils annoncent de la pluie. Le ciel est couvert et ils annoncent de la pluie. Vremenska prognoza za sutra je dobra. La météo est bonne pour demain. La météo est bonne pour demain. Juče je mnogo padao sneg, il a beaucoup neigé hier. Il a beaucoup neigé hier. Evo primjere rečenica na nivou A2 koje se tiču klime, ekologije i okruženja. L'environnement, le climat, l'écologie. Bretagna ima vlažnu klimu. La Bretagne a un climat humide. La Bretagne a un climat humide. Mi razdvajamo plastiku i staklo. Nous séparons le plastique et le verre. Nous séparons le plastique et le verre. Ontario ima mnogo rezervata prirode. L'Ontario a de nombreuses réserves naturelles. L'Ontario a de nombreuses réserves naturelles. I na ovom posljednjem slajdu govorimo o školskom, odnosno obrazovnom sistemu, studijama, obrazovanju uopšte. Luka je dobio diplomu u proleće, Luka a eu son diplôme au printemps, znači da je diplomirao na proleće. Luka a eu son diplôme au printemps. Na kraju gimnazije polaže se matura. À la fin du lycée on passe le bac. Le bac, skraćenica od le baccalauréat, matura u gimnaziji. À la fin du lycée, on passe le bac. Univerzitet je težak, odnosno studiranje na univerzitetu je teško. L'université est difficile. L'université est difficile. Evo, stigli smo i do kraja ove video lekcije. U opisu videa naći ćete link koji vodi do lekcije sa svim rečima i izrazima za nivo A2. Ova lekcija je već na kanalu duže vreme. Ukoliko vam se ovaj video dopao, lajkujte, komentarišite, preporučite kanal prijateljima. Hvala što me gledate. Merci et à bientôt!